soir. Et puis que nous nous étions séparés le mercredi, tu as pris soin de tout un chacun de nous, Seigneur. Maintenant que nous sommes venus, nous croyons que nous sommes venus au devant d'un Dieu vivant. Nous venons de te parler, nous venons de chanter pour toi. Maintenant nous entamons la partie la plus importante, qui est celle de l'écoute de ta parole. Descends, Seigneur Jésus, écarte l'homme sur la scène, parle toi-même à ton peuple, bénis le prédicateur, bénis les traducteurs, Seigneur, bénis l'auditoire, habille-nous dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Éloigne loin de nous toutes les distractions et toute faiblesse au nom de Jésus Christ. Nous t'abandonnons tous nos problèmes, car nous croyons que tu es la solution à tous les problèmes de tes enfants. Bénis ta parole que nous allons lire. Tous les démons, je les chasse au nom de Jésus Christ. Que les sanins dans les lieux arrivent là-bas pour attendre leur jugement. Commence et termine avec nous dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, notre Dieu, que nous te demandons ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons lire dans Luc chapitre 17, le verset 20 et 21. Par après, nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il lui répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire. Et que Dieu vous bénisse aussi. Veuillez vous asseoir. Je sais que nous venons de prier le mercredi passé ici. Tout un chacun de nous a parlé de Dieu, a parlé à Dieu en s'humiliant quand même devant lui, en confessant ses fautes ou ses erreurs. Et je crois que Dieu a écouté et il a exaucé chacun. Et par là, je me suis senti conduit à arrêter avec eux, humilie-toi. Et ce soir, nous allons parler sur un royaume mystique. Nous sommes dans un royaume mystique.
Comme nous venons de lire dans les Saintes Écritures, j'aimerais reprendre le Luc 17 et la 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. C'est que le royaume de Dieu c'est un homme. C'est que le royaume de Dieu c'est une personne. Nous ne venons pas ici comme les témoins de Jéhovah qui disent. Nous allons à l'église pour attendre le royaume des cieux. Mais nous nous venons ici pour les revoir, pour recevoir le royaume des cieux. C'est que tel que nous sommes là, nous formons déjà le royaume des cieux. C'est que en particulier tel que tu es là, tu es le royaume des cieux. Amen. Amen. Et ce royaume des cieux-là ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est dans l'humilité toujours. Dans la simplicité toujours. Nakati ya bufioti kaka. Le frère qui est à côté de toi là. Mpanga bakale ke pene penange. C'est le royaume des cieux. Yake kituna mazolo. La sœur qui est à côté de toi là. Mpanga ke pene penange. C'est le royaume des cieux. Yake kituna mazolo. C'est que Dieu est en ce frère là. Dieu est dans cette sœur là. Et Dieu a nous fait de nous un royaume mystique. Un royaume que le monde ne peut pas comprendre. Parfois tu n'as pas d'argent. Mais on te voit toujours dans la joie. Mais les gens ne te comprennent pas. Cette personne ici est comment? Il n'a rien, mais il est toujours dans la joie. Je suis le royaume de cieux. Vous ne pouvez pas me comprendre. Quel que soit le problème que je peux avoir, mais vous me voyez toujours dans la joie. Parfois les démons disent, avec ce que nous lui avons fait, il ne partira plus à l'église. Il n'adorera plus le Seigneur. Il ne priera même plus dans la maison. Mais le lendemain, on t'écoute, tu cries. Et te voilà venir à l'église. C'est quoi ça? C'est le royaume de cieux. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans l'âge de, dans l'église de Pergame. Prêcher, on va nous projeter ça. C'est prêcher le 9 décembre 60. C'est la traduction de Shekina Publication, paragraphe 189. Ou bien avant, on lira, nous allons lire quelque chose dans ce message. Paragraphe 189. Frère Branham dit, ne l'aimez-vous pas? L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous l'aimez aussi? Le messager continue, il dit, oui. Oh oui. C'est mon évangile du Saint-Esprit. Oh, j'aime cela. Je crois que Rouge Gorge, je l'aime aussi. Je l'aime de tout mon cœur. Et je suis si heureux ce soir d'être compté parmi eux. Vous êtes aussi content d'être, vous êtes aussi heureux d'être compté parmi eux. Et que nous soyons réunis comme de frères et de sœurs baptisés. Et comme des frères et des sœurs baptistes, pardon, baptiste, méthodistes, méthodiste, pré-catholiques, pré, tous les autres.
Amen. Amen. Le messager continue, il dit, presbytériens et tous les autres. Pardon. Dieu nous a retirés de tout le milieu. Et nous a amené ici dans cette glorieuse communion du Saint-Esprit. Nous n'appartenons à aucune dénomination. Amen. Amen. Ce qu'elles font le regarde. Mais quand si, nous sommes dans un royaume mystique. Est-ce que les saints peuvent dire amen? Nous sommes baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Qui est-ce? Méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que ce soit, qui l'entre, yandikota. Que vous soyez musulman, que vous soyez des Zambapung, que vous soyez de n'importe quelle religion, venez entrer. Nous aussi nous étions là. Mais il nous a tirés de toutes ces religions-là. Il nous a fait sortir de toutes ces choses-là. Et maintenant nous formons un royaume mystique. C'est pourquoi ne pense plus à ton passé. Ce que tu étais, ce que tu avais fait, ceci et cela. Ton passé était lavé déjà dans le sang de l'agneau. Mais quand le diable vient de te rappeler de ton passé, tes erreurs passées là, que ça a été déjà lavé dans le sang de l'agneau. Ne me décourage pas. Je viens de demander à Dieu pardon. Parfois, j'avais déjà crié. Oh, depuis longtemps. Mais il m'est arrivé de manquer l'humilité, de me comporter n'importe comment. Diable, je me suis déjà repenti. J'ai déjà prié. Je crois que Dieu me pardonne déjà. Moi, je te parle de ton futur. Satan, tu seras brûlé. Mais pour ce soir, je fais partie de ces royaumes mystiques. Les frères et sœurs mystiques, que Dieu vous bénisse. Quand le diable vient dans ces mystiques, il te trouve toi aussi mystique. Plus mystique que lui. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont encore là, ils te regardent et ils disent, oh, notre frère est perdu. Notre sœur est perdue. Il a une autre puissance. En tout cas, il a la magie. Ce n'est pas de la magie. Je suis dans un royaume mystique. J'ai une puissance mystique. Et c'est la puissance surnaturelle. Elle te parle. Elle dépasse la sorcellerie. Elle dépasse le sir, la sirène. Elle dépasse les marabouts. Et les saints disent alléluia. Oui, nous devons décoller. Décollons maintenant avec 2020 en tant que des hommes et femmes mystiques. Le diable vient. J'entre aussi dans mon royaume mystique. Je l'attaque en tant que mystique. Et le diable doit libérer le chemin. Oh, il a bloqué ton mariage. Oh, il a bloqué tes richesses. Oh, il a bloqué tes enfants. Tu es mystique. Entre attaque. Et ça va aller. Ça va marcher. Lisons un peu les prophètes pour bien avancer. Cinq identifications précieuses de la véritable église du Dieu vivant. Le 11 septembre 60. Je vais lire au paragraphe 64.
64 à 66. Je vais lire en sautant, je vais vous donner tous les paragraphes qu'on va lire. Avec ça, je lis dans la voix de Dieu. Avec ça, un méthodiste et un baptiste vont se tapoter dans les dos et dire: mon précieux frère, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble, s'ils ne sont pas d'accord, les gens disent: êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Ça ne répond pas à la question du tout. Si je suis chrétien, je suis pentecôtiste, ça ne répond pas à la question. Si vous êtes chrétien, vous êtes une créature née de nouveau. Est-ce que je parle devant les chrétiens ce soir? Des créatures nées de nouveau. Mais vous êtes des mystiques. Vous êtes dans un royaume mystique de Dieu. C'est que les créatures nées de nouveau, vous êtes dans un royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans l'église. C'est ça qui est l'église. Ce n'est pas une organisation. Ça ne pourra jamais être une organisation. Notez bien ce que je vous dis. L'église dit Dieu vivant ne pourra jamais être un certain groupe précis. Elle ne peut pas être une organisation. Elle ne peut être qu'un corps mystique. Le Saint-Esprit. Un peu plus loin, si nous avons le temps, nous approfondirons ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas être quelque chose d'autre. Et quand je parle de cette église-là, ce n'est pas ces murs. Ce ne sont pas ces tôles. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Tu es cette église-là. Et tu es mystique. Amen. Amen. Je lis frère Branham, il dit au paragraphe 69: ce qu'ils veulent de vous, venez adhérer à ceci. Paragraphe 69. Il n'y a rien à quoi adhérer dans le royaume de Dieu. Il n'y a absolument rien à quoi vous puissiez adhérer. C'est une expérience. Oh, que les saints disent amen, non? C'est une expérience. Et William Branham continue, il dit: d'entrer par une naissance dans l'église et non d'y entrer par une adhésion. Bon, j'en dirai peut-être un peu plus long là. Dans une minute, j'ai noté là d'autres passages de l'Écriture. Amen. Amen. Vous y entrez par une naissance, par une expérience. Je te dis, frère, ce soir, sois sûr de ce Dieu de William Branham en qui tu as cru. Frère Bernard me dit, ce qui faisait la réussite dans le ministère du Seigneur Jésus, ce qui a fait le succès, ce qui a accordé à Jésus la victoire, c'est parce que Jésus se croyait qu'il était l'accomplissement de tout ce que le prophète avait prophétisé à son sujet.
Il se croyait qu'il était la manifestation de toute la parole. Il croyait qu'il était le fils de Dieu. Il croyait qu'il était l'accomplissement de l'écriture. C'est qu'on pouvait dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais quand il attaquait les démons, il ne doutait pas. Il était sûr que quand je vais lire sort, les démons vont sortir. En Jésus, il n'y a pas d'échec. En Jésus, il n'y a que la réussite. Parce que c'est un Dieu mystique. Et en toi. Oh, je déclare la réussite en toi. La victoire parce que tu es mystique. Tu dois croire qu'aujourd'hui, s'il y a un chrétien sur la terre, c'est moi. Si Dieu a son enfant sur cette terre, c'est moi ici. À un certain temps, à un certain point, quand il y a des problèmes, même si tu as commis des erreurs, oublie que tu es péché. Attaque le diable. Dis que je suis un branamiste de pur sang. Je suis un fils de Malachie 4 pur sang. C'est moi qui forme les royaumes mystiques. Et attaque, tu auras la victoire. Mais des fois, nous nous doutons nous-mêmes. Tu pries, tu doutes de tes propres prières. Est-ce que ça va se réaliser? D'ailleurs, j'avais prié en 2018. Oublie ton passé. 2018, c'est 2018. Aujourd'hui, c'est 2020. Plus les jours passent, plus Dieu devient réel. Plus les années passent, plus je me rapproche plus près de Dieu encore. Et Dieu devient encore plus réel. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience. Je ne sais pas. Être chrétien, c'est une expérience personnelle. Tu es seul dans ta chambre. Même si ça barre, il y a bagaille là-bas. Il est vrai que le pasteur n'est pas ici. Il est vrai que les diacres ne sont pas ici. Mais j'ai rencontré Dieu face à face. J'ai fait mon expérience du buisson ardent. Je suis une personne mystique. Puisse Dieu aider quelqu'un ce soir. Puisse Dieu élever ta foi cette fois-ci. Que tu sois au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Paragraphe 79. Le messager dit ceci. Qui est la tête de cette église? Qui est la tête de cette église? Branham répond, Jésus-Christ. De quel royaume s'agit-il? Le royaume messianique. L'église. Non pas une organisation. Mais une église. Un corps mystique. Donc Christ est la tête. Oh, j'aime ça. Est-ce que vous aimez aussi ça? Écoutez. Marchant selon l'esprit. Cette année-ci, marchez selon l'esprit. Avec l'esprit, vous allez réussir. Marchant selon l'esprit. Obéissant au roi. Insensé aux yeux du monde. Alléluia. Amen. Quel
le monde vous injurie, vous critique, acceptez d'être insensé devant eux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Branham dit, Branham insensé aux yeux du monde, précieux aux yeux de Dieu, marchant selon l'esprit, mal compris, raillé, ridiculisé, tous ceux qui vivent piètement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, s'ils ont appelé le maître, le maître de l'édifice Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux qui sont ses disciples? Est-ce que vous êtes ses disciples? Acceptez d'être appelé sorcier, magicien, tout. Magicien, démodé, fanatique, batoloyenge. Acceptez tout cela. Le maître est appelé Belzéboul. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans un royaume mystique. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? S'ils ont appelé le maître, Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux qui sont ses disciples? Mais vous marchez selon l'esprit, détachez des choses du monde, libre de toute entrave. Alléluia. Amen. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Et Branham dit amen. C'est ça l'église du Dieu vivant. Voilà celui qui l'a établi. Toi tu mettais des mèches. Tu ne mets plus de mèches. Tu commences à porter des longues jupes. Oh, tu as vieilli. Acceptez tout cela. À cause de Christ. Samuna Christo. Toi aussi. Gempe. Ta façon de t'habiller. Motindo ta façon de te coiffer. Motinda kuzenga suki. Tu es en train de vieillir. Gakena kunzuluka. Il y a des filles partout là. Ya banda kete bisikanyoso. Je veux me marier dans les messages. Dans votre message des conditions. Misiku. J'accepte ces conditions là. Misiku ina. Parce que je suis dans un royaume mystique. Moke na kata kitinu ina yakimpeve. Et c'est ce qui me fait du bien. Et quand je vais me marier, je serai en paix. Je connais un frère. Il lui dit à son petit frère, ne crois pas le message. Moi, ton grand frère, depuis que j'écris le message, les choses sont tellement difficiles. Voilà que jusque-là, je suis célibataire. Reste d'abord païen. Fais un effort, marie-toi. Quand tu vas te marier, alors tu peux venir maintenant croire le message avec ton épouse. Je lui ai regardé, je lui ai dit, tu ne connais pas celui qui détient le futur. Celui qui détient le futur de chaque personne entre ses mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La tête de l'église. La tête de ce royaume mystique. Il peut mourir ce soir. Il croira le message quand?
Dieu a touché son cœur. Laisse-les croire la parole. Le mariage et toutes ces choses, c'est Dieu qui nous les donne comme des cadeaux. Ne regrette pas d'avoir écrit le message. Ne regrette pas parce que tu fais déjà partie de ces royaumes mystiques. Mon ami, elle a été épousée. Je connais la fille d'un pasteur. J'étais chez eux en 2009. J'ai prêché dans leur église. Là, j'étais encore trop jeune. À Chikapa. J'ai prêché. En tout cas, l'église était bénie. C'était au moment où le pasteur était malade. Depuis là où je venais, je ne l'avais jamais vu. J'ai prié la nuit, Dieu m'a donné un message lui concernant. J'ai pris le cahier, j'ai écrit. J'arrive là. Il m'a reçu. J'étais là, on ne voulait pas que je prêche. Tellement que j'étais jeune, j'étais un peu négligé là. On voyait comme s'il n'y a rien là-bas. Alors un jour, je voulais me déplacer. Je l'ai abordé, on a commencé à parler. Je message que Dieu m'avait donné était concernant. J'ai commencé à lire le message. Il a ouvert la bouche, il m'a regardé. C'est vrai? Mais c'est Dieu. Il y a un autre message que le Seigneur avait donné ici. Et ça, Dieu a complété. Alors on a prié. Il m'a dit, donne le message là, c'est diacre là, celui qui conduit la maison des noms. Alors qu'il écrive ça pour moi. Il a écrit ça. Et le jour suivant, il me dira, tu vas prêcher. Il m'a donné la chair, j'ai prêché. Je connais sa fille qui était là. Cette fille-là manquait de maîtrise. Au moment où nous parlons là aujourd'hui, elle a été enceinte, engrossée. L'homme veut se marier, l'homme il est aux États-Unis. J'ai dit des choses pareilles vraiment, ça fait mal. Pourquoi ça il enviait d'autres filles du monde? Ses amis, comment on les a épousées? Elle est encore jeune. Seul pouvait se maîtriser. Dieu allait envoyer un bon frère là, un fils de Dieu, qui pouvait la prendre en mariage. Ne soyez jamais pressé. Dieu n'a jamais été pressé. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est dans un but. Vous restez toujours dans ces royaumes. Ne sortez pas de ces royaumes. Ne nous amène pas une Catherine là-bas. Va là-bas qu'on te baptise. On dira qui veut donner sa vie à Jésus. Lève ta main, passe devant. On va te baptiser. Alors, 6 mois après, je vais me présenter au pasteur. Je vais t'épouser. Tu as épousé une païenne. Et tu as dépassé la ligne de démarcation. Il y a beaucoup de filles ici. Pourquoi aller convoiter les filles du monde? Il y a beaucoup de fils de Dieu ici. Pourquoi aller se comploter avec un jeune homme du monde là? Il t'amènera dans ses religions pour adorer ses dieux, ses idoles. Et cela t'amènera en enfer. Reste dans ces royaumes, il y a tout. Dans ces royaumes, nous recevons la vie éternelle. Cela fait de nous des personnes mystiques. Nous recevons l'argent. Nous recevons le mariage. Il y a du bonheur dans ces royaumes mystiques. Il y a la solution à tous nos problèmes. Que les saints disent Amen.
Je vais ajouter le paragraphe 181, 182. Le messager dit ceci. 181, 182. Écoutez ce qu'il dit. Toujours dans les cinq... Dans cinq identifications. 181, 182. Il dit ceci. D'ailleurs, pour gagner du temps, je parle même au paragraphe 182 là. Prenons le 181. Alors donc, elle est un groupe appelé à sortir. Un corps mystique. Christ l'a mis en ordre. Avant qu'il le mette. Il a annoncé que cela allait venir. Il a dit, je viendrai comme un roi sur ces domaines. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Amen. Vous n'aurez rien à faire avec les royaumes du monde. C'est pour ça qu'ils sont dans une telle confusion. Appelé Babylone. Quelqu'un qui dit, eh bien, Dieu soit béni. Moi je suis presbytérien. Dieu soit béni. Moi je suis méthodiste. Dieu soit béni. Moi je suis. Mais le messager dit, Dieu soit béni. Moi je suis chrétien. Et William Branham dit amen. Si tu es chrétien, bénis Dieu. Ce n'est pas facile de vivre ce message. Si tu vis ce message, bénis Dieu. Si tu es dans ce royaume, bénis Dieu. C'est une grâce imméritée. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Moi, je suis chrétien. Amen. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui me fait savoir que j'en suis un? Voici les signes qui accompagnent le croyant. Voyez? La voilà. Votre carte d'identité. Carte ben yambutuka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ton carte, ta carte d'identité? Pas de dire. Attendez une minute. Je crois que j'ai ma carte de l'association. Non. Moi, je n'en ai pas. La mienne, elle est là-haut. Je pourrais perdre celle d'ici bas. Mais il m'a dit qu'avant le commencement du monde, il m'a donné ma carte d'identité. À tous ceux qui sont entrés dans le royaume, c'est gardé au ciel pour que le registre soit bien tenu. Je suis si heureux. Est-ce que vous êtes aussi heureux? Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Alléluia. Amen. Ce royaume mystique, quand nous retournons dans l'Ancien Testament, nous trouvons un vieux qu'on appelait Élie. Amen. Amen. Il était dans ce royaume mystique. Ah, le temps nous manque, on entrera en profondeur. Dieu accomplit de grandes choses. Et la Bible dit, on ne connaissait même pas d'où il venait. On ne connaissait ni son père, ni sa maman, ni sa famille. Il était un homme puissant, influencé par le ciel. Que
Quelqu'un dit royaume. Alléluia. Amen. Il prêchait cette parole. Il y a eu des signes, des miracles qui l'accompagnaient. Il pouvait fermer le ciel. Il pouvait encore ouvrir le ciel. Étant dans les royaumes mystiques, nous avons le pouvoir de fermer le ciel. Nous avons aussi le pouvoir d'ouvrir le ciel. C'est pourquoi pour l'année 2020, s'ouvre le ciel pour chacun. Ne doute pas. N'imite pas les choses de ce monde. Et le messager dit, pourquoi imiter les choses de ce monde aussi longtemps que le ciel de la Pentecôte est plein de toutes les bénédictions? Il nous faut seulement ouvrir. Akadès Barnea Branham me dit, tu as besoin de provocateurs, des personnes qui peuvent les provoquer. Comme Élie, provoquer Dieu ce soir. Qu'il nous descende sur la scène. Dans ce royaume, on a l'autorité de la parole pour ouvrir et fermer le ciel. J'ouvre le ciel pour n'importe qui ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Je ne sais pas si tu te sens aussi bien. Il pouvait fermer, ouvrir les ciels. Il a fait de grandes choses. Amen. Amen. Jusqu'à traverser les Jourdains avec un jeune homme qui le suivait. On entrera en profondeur. Je suis en train de survoler rapidement. Frère me dit, Élisée, quand il a découvert ce qu'Élie avait, Élie pouvait lui dire, retourne, hein, va rejoindre tes parents. Moi je crois qu'aujourd'hui là, je vais partir. Élisée lui a regardé et a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai jamais. Que veux-tu que je te donne? Demande ce que tu veux. Que cherches-tu? Élisée regarde Élie. Élisée sait que je veux. Je veux les doubles portions de ton esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'Élisée avait découvert que Élisée, dans cet homme, il y a quelque chose de spécial. Il y a l'Esprit de Dieu en lui. Et cet esprit a fait de lui un homme mystique. Si je pouvais recevoir cet esprit, je serais aussi un mystique. Alléluia. Amen. Élie lui dit, tu as demandé une très grande chose. Mais si tu me vois pendant que je vais partir, c'est alors que tu recevras ce que tu as demandé. Élisée a dit, c'est ça le secret. Hein? Là, moi avec toi, côte à côte. Lubanzi na lubanzi. Élie se déplace. Élisée derrière. Élisée manima. Vous savez ce qu'il avait fait auparavant? Il a dit, porte d'abord ma robe ici. Loate tete roba munei. Élisée porte la robe de Élie. La robe flottait. Robe sur le sable. Non, non, non. Élisée est un pêche. Frère Branham me dit, Élie n'a pas dit que amenons la robe chez les tailleurs. Non. Pour qu'on aille modifier. Non. Il a dit, attends un peu. Tu dois grandir. Alléluia. Amen. Grandis d'abord jusqu'à arriver à l'âge. Il te faut pour que tu portes la robe. La robe d'Élie. La robe à cette couleur. La robe
l'arc-en-ciel. Le Seigneur Jésus-Christ. La parole ouinte. Le message de l'air. Grandissez. Arrivez au niveau du message. Toi et le message. La même taille. Le même niveau. Là où le message parle. Toi aussi tu parles. À ce moment-là, tu deviens une personne mystique. Alléluia. Amen. Un royaume mystique. Un royaume mystique. Oui, ici. Ah, ici ce soir. L'ange du Seigneur est ici. Je dirais plus de 6600 volts. Si un sorcier ose, il va mourir. Si un magicien ose, il va mourir. Si un marabout ose, il sera terrassé. C'est quoi ça? Le royaume mystique. Le Dieu Tout-Puissant est ici. Ne crains pas ces gens-là. Ils n'ont rien. Tu es plus fort que. Tu les dépasses. Et Branham dit, Élie était le type de Christ. Élisée le type de l'église. Alléluia. Avec la puissance mystique, Élie a accompli 4 miracles. Mais quand c'est revenu sur Élisée, en double portion, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez davantage. Vous en ferez de plus. C'est pourquoi le messager dit, du vivant de Jésus de Nazareth, il n'a jamais créé. Alléluia. Amen. Il a changé, transformé l'eau en vin. Il a multiplié les pains et les poissons. Mais au temps du soir, dans ce royaume mystique, il a été créé. On a créé les écureuils. On a calmé la tempête. On a créé du pétrole. Ce Dieu-là est vivant ici ce soir. Alléluia. Amen. Quand il traversait les Jourdains, Élisée observait Élie. Le vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'était pas facile. Les dénominationnels critiquaient. Fanatique. Il sait qu'il va te laisser. Il va partir. Tu vas rester seul. Élisée dit, taisez-vous. J'ai laissé. Que cela ne vous dérange pas. Mais lui était là suivant toujours lui. Quelles que soient les critiques des gens de ce monde, même si ça provient dans ta propre famille, que cela ne te décourage jamais pour abandonner le message de l'air. Dis au diable Satan que tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Satan, tu es venu en retard. Satan, tu es venu en retard. Tu ne mourras jamais. Je suis dans le royaume mystique. Viens, lui. Viens, il cherche à courir un peu. Élisée court aussi un peu. Viens, il saute. Élisée aussi saute. Viens, il rampe. Élisée aussi rampe. Quand Branham fait. Fait aussi. Alléluia. Amen. Quand il dit. Aujourd'hui, maintenant là, il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de votre Seigneur Jésus. Crois qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ.
Élie arrive là, il enlève le manteau. Il frappe sur le Jourdain. Le Jourdain sort. Il traverse. Avec Élisée derrière. Élisée na manima. Ils arrivent très loin là-bas. À la montagne là. Oh, les chariots descendent. Alors c'est Élie qui monte. Élisée, regarde! Élisée, mettez-le! Élie montait de Élie, mon père! Tata Moulou, Tata Moulou! Père d'Israël! Élie, regarde! Élie, mettez-le! Je lui avais promis. Motubilakayan. Je dois tenir ma promesse. Si vous tenez Dieu au mot, il devient impuissant. Yana Manisa Lulendo. Tenez Dieu au mot. Sur base de la promesse qu'il t'a fait, Dieu deviendra impuissant ce soir. Il se verra dans l'obligation de tenir sa promesse envers toi. Élie enlève le manteau. Il jette le manteau. Élisée récupère le manteau. Il porte le manteau. Alléluia. Amen. L'esprit qui était sur Élie revient sur Élisée en double. Bien qu'Élie était parti, Élisée très contente. Très content pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce qu'il cherchait. À son retour, comme il rentrait, il était sur le chemin de retour. Le Dieu de Branham n'est pas parti avec Branham dans la tombe. Le Dieu de Branham est dans cette église. Le Dieu de Branham est ici ce soir. Il est là pour te secourir aussi. Ceux qui veulent ta chute, ceux qui veulent ta honte, ils seront hontés même. Les enfants étaient de l'autre côté avec leurs parents. Nous allons voir. On lui avait dit, Élie doit partir, reste. Il n'a pas écouté. Élie est parti. Il est resté maintenant de l'autre côté. Il va traverser comment? Au moment où le monde se pose les questions, toi tu as déjà la réponse du Dieu de lui. Pourquoi? Parce que tu es dans un royaume mystique. Alléluia. Amen. Il s'avance. Les gens critiquaient. Quelles que soient les critiques des gens. Oh, quelquefois le malheur est aussi bon dans la vie. Il arrive là, il enlève le manteau. Il soulève le manteau. Il frappe sur le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie est descendu sur la scène. Le Jourdain s'est séparé. Ceux qui étaient de l'autre côté sont criés « Wow !» Hey, hey. Il a reçu l'esprit qui était sur Élie. Au milieu du Jourdain. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. L'année sans fille appliquée à mon cœur. Alléluia. Gloire. Une forte onction sur lui. Il traverse. Il commence à avancer. C'est les enfants là qui commencent à les critiquer encore. Ces enfants là, les enfants des prophètes, manifestaient l'impolitesse qui était dans leurs parents. Le manque de respect qui était dans leurs parents. C'est ce qui était dans ces enfants. Ils ont commencé à crier. Chauve. Monte, chauve. Boy, donkey. Monte, chauve, monte, chauve. Chauve, monte. Élisée regarde. Élisée maintenant. Il s'est fâché. Yamata Souka.
Eli vient de me quitter. Eli me kunda ya. Ces enfants c'est quoi? Baba nyakire. Je veux maintenant expérimenter cette puissance. Le prophète en colère a prononcé la parole. Ya to sinaka diombu. Les deux ours ne peuvent-ils pas sortir ici? Ah, bah il m'a pas enfin d'accord. Pour moi ces enfants ici. Kuza dia baba na ya. La Bible dit. Bibi da metubo. Sur base de ces paroles qu'il avait prononcées, Dieu a fait que des ours sortent sur place. Ils ont dévoré 40 enfants. Et les enfants là sont morts. Les familles là ont connu des pertes. C'était la colère du prophète. Et William Branham conseille, il dit, faites attention. Avec cette puissance que vous avez, sachez comment l'utiliser. Sinon, vous allez tuer le monde. Parce que tout ce que vous allez prononcer, Dieu sera dans l'obligation de tenir tes paroles. Seigneur, tue, il va tuer. Mais soyez remplis d'amour. Tu es devant les Jourdains. Prends les manteaux de lui. Et cette fois-ci, crie. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Le Dieu de Branham entrera en scène. Et il donnera la solution à tes problèmes. Et Branham dit, et lui était le type de l'église. Élisée était le type de Christ. Élisée était le type de l'église. Oh, que les saints disent Amen. Je lis la voix d'un vrai prophète de Dieu. Oh, je me sens bien. Je vais arrêter, nous allons voir d'autres choses dimanche. La voix d'un vrai prophète de Dieu. Je vais lire au paragraphe 61-62. La voix d'un vrai prophète de Dieu. 61-62, le messager dit. Comme Élie. Qui est allé un jour au Jourdain et qui l'a frappé avec Élisée. Le Jourdain s'est séparé et il a traversé. Il est revenu avec une double portion. Que les saints disent Amen. Et nous, quand nous frappons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Mais quand nous revenons, nous revenons avec des portions. Nous avons la vie éternelle. La résurrection du péché. Maintenant, la justice. En ayant le Saint-Esprit. Et puis, lors du retour avec Christ, nous revenons avec le deux. La résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Nous en avons une double portion. Ils sont toujours un type de Christ, ya Christ et de l'Église. Na ya dibundu. Élisée et Élie. Na Elia. Que les saints disent Amen. Élisée, l'Église, Dibundu. Élie, Elia, Christ. Christo. Amen. Amen. J'ajoute quelque chose dans la foi parfaite. Je risque d'arrêter sans avoir lu ça. La foi parfaite, frère Branham dit ceci. La foi parfaite prêchée le 25 août 63. Le messager dit, au paragraphe 112, au paragraphe 114, mais Jésus, quand c'est Jésus, vivait dans un monde que personne ne connaissait. Vous dites Amen à cela. Jésus
Yesu. Vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Alléluia. Amen. Si nous vivons comme des chrétiens, avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. On dit amen, non? Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors, les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. Tape la poitrine, dit je suis mystique. Tape si la poitrine, dit je suis mystique. Dis encore que je suis mystique. Le monde ne te comprendra jamais. Cette année ici, la bénédiction que Dieu a déversée sur toi, le monde ne te comprendra jamais. Et les sorciers et les marabouts seront surpris. Je sais comment. C'est arrivé comment? Ils ne les comprendront pas. Parce que tu es un mystique. Tu as la foi parfaite. 113. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Mais que les croyants disent amen, non? Vous êtes des mystiques. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Le monde où toi tu vis, personne ne peut toucher ce monde-là. Ne crains rien. Aucun sorcier ne peut te toucher. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Écoutez, même les disciples, parce qu'à ce temps-là, Frère Branham dit, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement. Ils n'étaient pas encore devenus des mystiques. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Vous tous dans rouge-gorge. Mais comme toi tu es déjà entré, celui qui n'est pas encore entré ne te comprendra jamais. Quand il leur parlait, il lui disait ensuite, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. 114. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Arriver dans cette matière-là, c'est ça. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement les pasteurs, pas seulement les pasteurs Life, pas seulement les pasteurs Martin, les diacres,
ou les administrateurs, mais aussi les laïcs. Chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Amen. Vous êtes baptisé dans ce royaume. Il n'y a personne là. Si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne les ordres. Et vous les exécutez. Quoi qu'il dise, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Continuez à avancer, continuez à avancer. Maintenant, vous arrivez. Que Dieu te bénisse. Maintenant. Alléluia. Amen. Vous arrivez à cette foi parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette année-ci, tu ne vas pas faillir. Alléluia. Amen. Cette foi-là ne faillit jamais. Un homme mystique ne faillit jamais. Oui. Il était un mystique pour eux. Avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Sois mystique. Sois mystique. Ce soir, sois mystique. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes des mystiques. Ah, il y a encore à donner, mais le temps me manque. Laissez-moi ramasser mon argent. Que Dieu te bénisse pour cet argent. Que je mette d'abord dans la poche. Je suis mystique. Même l'argent c'est pour moi. Vous aussi l'argent c'est pour vous. Un mystique ne faillit jamais. Un mystique ne manque rien. Un mystique a tout. Ce soir je te donne tout. J'ai prié au Seigneur. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit Seigneur, nous nous sommes humiliés. Maintenant nous voulons décoller. Nous voulons monter maintenant. Fais-nous monter. Alors il m'a dit, dis-leur qu'ils sont des mystiques. Comme ils sont des mystiques avec la foi parfaite, maintenant là, nous allons voler, nous envoler, pas dans l'avion, mais dans le fuseau. Et vous êtes des astronautes. Nous allons monter, arriver là où les faucons ne peuvent pas arriver. Là où les corbeaux ne peuvent pas arriver. Des mystiques, ce sont des aigles. Allez, aigles des colons. Allons dans le firmament. Alléluia. Amen. Écoutez. Et le Dieu mystique, je laisse d'autres choses, nous verrons ça dimanche. Envoie-nous, projette-nous les dons enveloppés de Dieu, je termine. Je lis seulement les dons enveloppés de Dieu. Il y a trop de citations, ça reste d'abord. Écoutez, les mystiques, écoutez. Les dons enveloppés de Dieu, prêchez le 25 décembre. 1960. Nous lisons le paragraphe 15. Traduction Shekinah. Publication. Vous êtes des mystiques.
Votre Dieu est mystique. Et celui qui est capable de prendre celui qui n'est rien et faire de lui quelque chose. C'est pourquoi il est Dieu. Est-ce que croyez-vous qu'il est Dieu? Il peut prendre un rien. Je reprends. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. S'il y a un rien ici, je te place dans la main de Dieu. Que Dieu te prenne. Qu'il fasse de toi quelque chose. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Et donc, c'est ce qui fait de lui Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que nous l'aimons. Est-ce que vous l'aimez aussi? C'est ce qui fait que nous les pauvres gens, nous l'apprécions. C'est parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, cependant, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Si jamais il nous a sous son contrôle. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu t'a sous son contrôle. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui sait la fin avant le commencement. Hey, il a ta vie sous contrôle. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Qui est cet homme? Jésus. Et qui est cet homme? Jésus. Alléluia. Amen. Qui est cet homme? Jésus. Alléluia. Qui est cet homme? Jésus. Et oh, il n'a jamais été surpris par un événement. Oh, il est celui qui voit la fin avant le commencement. C'est Jésus, il a ta vie sous contrôle. Il veille sur toi, il prend soin de toi. Hey, il a ta vie sous contrôle. Il veille sur toi, il prend soin de toi. Son nom c'est... Alléluia! Son nom c'est... Nous avons cru le message. Nous sommes sous le contrôle de Dieu. Aujourd'hui, Malachi 4, Jésus-Christ est revenu dans une chair humaine pour que toi tu sois sous contrôle. Tu es un royaume mystique. Il connaît déjà la fin de 2020. Ne crains pas. N'ayez pas peur. 2020 se terminera bien. Plein succès. À Jésus. À Jésus. À Jésus. L'homme le plus gentil. Restez toujours. Alléluia. Oh, la grande vedette. Je déclare plein succès pour toi en 2020. Sois sous contrôle en 2020. Qu'aucun sorcier ne te touche. Qu'aucun marabout ne te touche. Qu'aucune pauvreté ne te touche. Qu'aucun chômage ne traîne pas. Que les célibats te quittent. 2020. Que tu sois un mystique en plein succès. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons parler maintenant.
à celui qui vit au siècle des siècles, celui qui vient de parler à nos âmes. Oh, que le directeur nous en donne un cantique selon qu'il est conduit, et nous allons prier. Seigneur, je peux sentir ta présence est ici. Oui, Seigneur Jésus, Seigneur, je peux sentir ta présence. Oh, remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le message de l'air. Merci pour le prophète William Branham. Merci pour la nuée de gloire. Merci pour la colonne de feu. Merci pour ces royaumes mystiques. Nous sommes un peuple privilégié, un peuple béni, parce que tu nous as sous ton contrôle. Pour l'an 2020 ici, tout est sous contrôle. Toi le Dieu Tout-Puissant, le chef de ces royaumes mystiques, la tête de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, Aigle Jéhovah, conduis ta fille, conduis ton fils. Fais réussir chacun d'entre nous. Il vient de te parler. Chacun t'a dit le désir de son cœur. Et nous avons levé nos mains envers toi. Derrière chaque main, il y a une requête. Je donne à chacun selon le désir de son cœur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et je te place encore une fois de plus dans ces royaumes mystiques. Qu'aucun démon ne te touche. Qu'aucun sorcier ne te touche. Qu'aucun marabout ne te touche. Car tu es dans un monde mystique. Le monde de la foi parfaite. Là où il y a toujours le positif. Là où il n'y a rien de négatif. Là où nous avons tout par la foi. Et je vous donne toutes les choses. Recevez cela au nom de Jésus. Que celui qui était venu malade soit guéri au nom de Jésus. Celui qui avait l'ombre de la mort, l'ange de la mort sur lui, je chasse cela au nom de Jésus. Je te donne la vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, je te remplis du Saint-Esprit. Sois scellé du
Saint-Esprit dans ton âme au nom de Jésus. Celui qui pleure pour les affaires ne marchent pas. Nous, nous sommes dans un monde mystique, un monde de la foi parfaite, là où nous regardons à la fin avec les jumelles de la foi et nous rêvons, nous voyons déjà la réussite alors que tes affaires marchent. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tes commerces. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton boulot. Au nom de Jésus, toi qui n'as pas du boulot, je te donne du boulot. Au nom de Jésus, toi qui as besoin du mariage, reçois du mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon frère, reçois une bonne femme et reçois l'argent pour l'épouser. Au nom de Jésus, ma soeur, reçois un bon mari là où il traîne. Même s'il était cachonné dans une cachot, je le fais sortir de ces cachots-là. Au nom de Jésus, l'ange de Dieu, toi qui avais fait sortir Pierre de la prison, chaque enfant de Dieu qui est dans la prison, la prison du célibat, la prison des chômages, je vous fais sortir de là. Au nom de Jésus-Christ, la prison des stérilités, prison des stérilités, prison d'impuissance sexuelle, sortez de là au nom de Jésus. Et soyez libre au nom de Jésus. Toi qui ne valais rien ici dans les royaumes mystiques, il y a un Dieu vivant. Celui qui prend celui qui ne vaut rien, il fait de lui quelque chose. Que Dieu te prenne dans sa main. Je te place dans la main de Dieu. Sois l'instrument dans sa main. Toi qui n'as pas de valeur, à partir de ce soir, je te donne de la valeur. Au nom de Jésus-Christ, ce qui te néglige, ce soir, tu es une montagne là où tu es. Le royaume mystique, c'est une montagne. Alors je déclare qu'il y ait l'attraction sur ta montagne. Au nom de Jésus-Christ, pour attirer tout le monde à toi, pour attirer les richesses, pour attirer ton mari, pour attirer ta femme, pour attirer ton argent, pour attirer ton boulot, pour attirer ta guérison. Reçois tout au nom de Jésus. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Quel honneur, quelle gloire, quelle louange puisse te revenir dans tout le siècle des siècles. Bien-aimé Seigneur Jésus, le foyer de tes enfants qui sont dans les tourments, les familles chrétiennes qui sont dans les tourments, je chasse les tourments au nom de Jésus. Tous les démons qui vous tourmentent, sortez. Alléluia au nom de Jésus. Si les tourments là, les provocateurs, c'est les maris, je les réclame au nom de Jésus. Si les tourments là, les provocateurs, c'est la femme, je la réclame au nom de Jésus. Qu'il y ait la paix dans votre famille, qu'il y ait la paix dans votre foyer au nom de Jésus. Et que l'atmosphère spirituelle règne là-bas et que cette atmosphère crée des bénédictions au nom de Jésus. Il est vrai que nous sommes au mois de janvier, là où il y a des crises. Les choses sont devenues difficiles, mais nous avons le maître de l'impossible, celui qui rend l'impossible possible, le chef de ces royaumes mystiques.
Rends l'impossible possible pour tes enfants. Et crée tout dans leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Allerge pour nous la tâche de vie. Facilite-nous la tâche, Seigneur. Par ta grâce, fais que les choses marchent. Nous t'acclamons. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Accompagne-nous maintenant. Sous la méditation de ta parole, bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et que la paix du Seigneur vous accompagne.